Bonjour, bonsoir, c'est Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder des sujets un peu différents. J'ai envie que ce soit pas que des dramas qui viennent de YouTube. J'avais fait un sondage sur mon Instagram pour vous demander ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne et pas mal d'entre vous m'avaient dit que vous aimeriez bien que j'aborde des dramas mais sur TikTok. C'est vrai que moi l'application TikTok avant j'y allais souvent, c'est une application que j'aimais beaucoup. Avec le temps j'y vais de moins en moins, mais si jamais ça vous intéresse je vous mettrai mon TikTok sur l'écran. Ça peut être sympa Et voilà, je me suis dit pourquoi pas aborder des sujets drama sur TikTok, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à me le demander. Et même quand j'en parle avec des potes à moi qui sont eux-mêmes TikTokers, ils me disent que c'est vrai qu'il y a personne qui explique les dramas sur TikTok. Du coup je me suis dit pourquoi pas, ça vous permettrait de comprendre certaines choses. Et du coup je vous ai demandé quel drama vous aimeriez que j'aborde, et vous étiez super nombreux à me parler de Déjanté et Fabian. Alors c'est vrai que c'est deux personnes que je suis sur TikTok, que j'aime beaucoup. J'ai vu que certaines personnes vous étiez un peu confus. Il y avait pas mal de troubles autour de cette histoire, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en parler. Donc j'ai fait un peu mes petites recherches, j'ai fouillé un peu sur leur profil TikTok, et aujourd'hui je vais vous expliquer tout simplement tout ce que j'ai trouvé là-dessus, sur mes recherches, etc. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous annoncer qui est l'abonné du jour. Donc l'abonné du jour aujourd'hui c'est Joël simplement tiré du bas. Donc merci à toi d'avoir commenté ma dernière photo et de t'être abonné à mon compte Instagram. Comme d'hab, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez apparaître dans ma prochaine vidéo, avoir une petite pub de ma part, vous avez juste à venir sur mon Instagram et à commenter et liker ma dernière photo que j'aurais publiée sur mon compte. Donc je compte sur vous, si jamais vous voulez être l'abonné du jour, vous savez ce que vous avez à faire. Donc c'est parti, on va aborder tout ce petit sujet, let's go. Oh, let's go way, way back to the basics. Damn, motherfuckers really just can't take it. Sipping all around and wanna bite, wanna taste it. I'm that cat, yeah, I'm the black cat. Yeah, I'm that bitch that does it like that. Alors déjà, on va faire une petite présentation de qui est Fabian, de qui est Déjanté. Déjanté, son vrai prénom, c'est Maxime. C'est un mec, tout simplement, qui fait un peu des vlogs de sa vie sur TikTok. Bah, il filme son quotidien, il filme un peu ses conneries du quotidien. C'est un mec aussi qui est connu parce qu'il change tout le temps de couleur de cheveux. Enfin, c'est un mec qui est vraiment fun, qui est vraiment super drôle et qui est sur TikTok pour transmettre entre guillemets de la bonne humeur, pour faire rire les gens. On se voit qu'il se prend pas la tête. Et Fabian, c'est un mec que moi personnellement je suis sur TikTok. En fait ce mec, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'en France il n'y a pas énormément de make-up artistes ou de maquilleurs qui font des trucs vraiment de ouf. Et c'est vrai que moi je suis sur TikTok pas mal de maquilleurs américains qui font des trucs de malade sur leur visage et tout. Et Fabian c'est un des seuls en France que je connais perso qui fait des bêtes de maquillage, des trucs super artistiques, super beaux. Et ça j'adore, je trouve ça trop cool. Et franchement voilà, c'est pour ça que je le suis moi perso. C'est parce que sur TikTok il fait toujours des maquillages super élaborés, super cool. Donc voilà pour les deux personnages. Maintenant on va en venir à la partie un peu plus drama entre guillemets. Donc je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Voilà. Il faut savoir que déjà Déjanté, donc Maxime, il était en couple avec une fille qui s'appelle Elisa. C'est une fille également qui fait des TikTok. C'est une fille qui ressemble énormément à Maxime. Enfin pas physiquement, mais c'est genre on dirait les mêmes, on dirait son frère et soeur genre. En gros, ils sont tous les deux dans un délire similaire, c'est-à-dire qu'ils font tous les deux des vidéos assez fun, assez drôles, ils se prennent pas la tête. Et ces deux personnes, voilà, comme je vous dis, qu'ils ont les cheveux assez colorés, qui sont des couleurs super vives, du rose, du bleu, enfin, quand on les voit tous les deux, on dirait ils sont faits pour être ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Donc sur TikTok, ça a fait tout un engouement par rapport à leur couple, et tout le monde disait que c'était un couple goal, c'était trop beau ensemble, etc, etc. Mais je crois que ça faisait plus d'un an qu'ils étaient ensemble, si je me trompe pas. De toute façon, si jamais je me trompe et que je dis des bêtises, vous avez l'espace commentaire pour me rectifier, tout simplement. Ils s'affichaient souvent ensemble sur TikTok, tout le monde kiffait leur couple parce qu'ils étaient comme je vous dis pareil et qu'ils se complétaient un peu, donc voilà. Pour ce qu'il en est de sa rupture avec Elisa, je suis pas trop au courant, je sais pas trop s'il a annoncé la chose ou non, je sais pas si c'est elle qui l'a annoncé. Dans les commentaires vous pouvez me dire si jamais vous êtes au courant, mais j'ai pas trop, enfin quand j'ai fouiné sur son TikTok, j'ai vraiment pas vu de TikTok explication par rapport à sa rupture avec Elisa. Maxime a tout simplement posté un TikTok qui a fait énormément de vues, et tout simplement en fait dans ce TikTok il a fait son coming out. Donc il a annoncé qu'il était gay. Voilà, je vous mettrai le TikTok. Fame, we just want to belong. So let me explain in the form of a song. What you're about to find out. Got news to share. Gay, and today is the day that you're finding out because they're happy this way. Oh, gay, gay because it's the reason love's always in season. And love is love. Moi, mon avis,
je trouve que c'est, enfin, je trouve que c'est super sympa de la manière dont il a fait son coming out. Il l'a annoncé à tout le monde l'a soutenu. Et franchement, je sais pas, genre avec la petite musique, la petite chorégraphie, le petit truc sur le miroir et tout, je trouve ça super sympa. Enfin, voilà, genre ça change des gens qui vont parler, qui vont annoncer les choses. Il l'a vraiment fait encore une fois, donnant de la bonne humeur, du sourire, etc. Et du coup, bah voilà, il a annoncé tout simplement qu'il était gay. Il a fait son coming out en public sur TikTok. Par la suite, il a commencé tout simplement, du coup, à reposter des TikTok comme avant. C'est-à-dire qu'il a continué sa vie comme elle était. Il était plus avec sa copine. Il a fait son coming out et il a commencé à poster des TikTok. Sauf que dans les commentaires, les gens l'insultaient. Ils disaient qu'il était irrespectueux. Enfin, tout le monde l'insultait par rapport à son ex-copine Elisa. Tout le monde lui disait que c'était irrespectueux envers elle, etc. Tout le monde réagissait assez mal par rapport à ce qui s'était passé. Pas par rapport au fait qu'il soit gay, mais par rapport à sa relation avec son ex, donc Elisa. Maxime a tout simplement réagi. Donc, je vous mettrai la vidéo. Hey TikTok, j'ai pas trop envie de parler de ça, mais je pense que j'ai pas le choix. Clairement, la moitié des gens pensent que je suis un gros connard parce que j'ai quitté Elisa et que je me suis remis avec Fabien. Déjà, j'ai quitté Elisa, j'ai expliqué la raison. Et oui, je suis gay. Je pense que c'était mieux pour moi de le dire parce que j'allais pas faire souffrir plus Elisa. Moi, j'utilise TikTok justement pour faire sourire, pour faire plein de tous les trucs que je fais d'habitude. Je vois pas pourquoi je pleurerais. Ça, c'est la vie privée. Après, vous pensez ce que vous voulez de moi. Voilà, donc dans cette vidéo, il réagit tout simplement et dit qu'il en a marre que les gens disent du mal de lui, qu'il a rien fait de mal, qu'il a tout simplement assumé qui il était et qu'il préférait rompre avec Elisa maintenant pour pas lui faire plus de mal parce que simplement s'il continuait à lui mentir et à se mentir à lui-même, bah ça allait lui faire encore plus de mal. Donc voilà, il a préféré tout simplement annoncer la chose, la quitter pour pas lui faire encore plus de mal qu'il lui en faisait déjà, entre guillemets. Peut-être qu'il se forçait, entre guillemets, à être avec une fille alors qu'en vrai, il savait qu'il était gay mais qu'il avait peur. Et du moment qu'il a pris conscience peut-être que voilà il était vraiment gay et que enfin il a pris conscience des choses, peut-être qu'il s'est tout simplement dit il faut que j'arrête ma relation maintenant parce que j'ai pas envie de lui faire plus de mal. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que cette fille voilà elle aurait encore plus souffert si la relation elle aurait continué comme elle était. Donc par la suite on a vu qu'il était parti en vacances avec plein de TikTokers. Ils ont eu entre temps des événements comme la TubeCon, etc. Par exemple dans cet événement là la TubeCon, il était tout le temps avec Fabien. Il y a plein d'abonnés, de fans qui ont remarqué qu'ils dormaient dans la même chambre. Donc là ça a commencé à... les gens ont commencé à parler. Ils ont commencé à partir en vacances je crois dans une maison avec d'autres TikTokers. Et là également ils postaient plein de TikTok. On voyait clairement qu'il y avait un rapprochement entre les deux. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais enfin il n'y a pas besoin, enfin ça se voit genre. Enfin perso j'ai pas vu d'annonce officielle, donc si jamais vous en avez vu, l'espace commentaire comme d'habitude. Fabien et Déjanté, voilà, ils se sont mis ensemble. Genre je trouve qu'ils vont super bien ensemble, ils sont trop choux. Je vous mettrai un TikTok maintenant que j'aime beaucoup qu'ils ont fait tous les deux, je les trouve trop mignons dans ce TikTok, donc je vous le mettrai maintenant. Et voilà, enfin ils sont ensemble, ils sont épanouis, ils sont heureux, sauf que les gens cassent encore les... Mais il y a des gens encore qui continuent à insulter un peu Maxime, à dire carrément que Maxime aurait trompé Elisa avec Fabien. Donc ça, voilà, il y a eu un gros drama aussi là-dessus. Les gens ont commencé à dire qu'il l'avait trompé, que machin, tic-tac, tout. De toute façon, les gens, ils aiment trop raconter n'importe quoi. Donc, je vous mettrai la réponse de Maxime face à ça. Il avait fait un TikTok où il écrit des trucs, donc soyez attentifs. Donc voilà pour sa réponse. Après, d'ici là, voilà, tout ce qu'on voit... c'est que Elisa refait sa vie de son côté, c'est-à-dire qu'elle fait des TikTok, elle s'épanouit dans sa vie, elle fait ses trucs, enfin. Et du côté de Déjanté et Fabien, bah eux, ils sont heureux, voilà, ils vivent leur petit couple, l'un va chez l'autre, l'autre va chez l'autre, enfin voilà, ils vivent leur petite vie amoureuse en paix. Voilà pour la story, l'histoire, voilà. Maintenant, je vais vous donner un peu mon avis sur tout ça. Moi, mon avis, tout simplement, c'est juste que, comme je vous le dis, je pense que Maxime, c'est un mec, savait au fond de lui qu'il était gay, mais qu'il avait tout simplement peur de le sortir, enfin de le dire. Quoi. Et je pense que le fait de rencontrer Fabien, ça l'a un peu poussé à le faire parce qu'il a dû avoir un crush entre guillemets sur lui. Du coup, ça l'a peut-être poussé à le faire et il a préféré tout simplement. Et je pense qu'il a préféré arrêter sa relation avec Elisa, donc sa copine qu'il avait avant, pour tout simplement arrêter de la faire souffrir. Parce qu'au fond de lui, s'il savait qu'il était gay et qu'il sortait quand même avec elle, il savait qu'il allait pas avoir d'avenir ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il se forçait limite à rester ensemble. Donc je pense que c'est très bien qu'il ait arrêté sa relation avec elle parce que je pense que cette fille, quoi qu'il arrive, elle aurait souffert à la fin. Donc plutôt
tôt possible il le fait, mieux c'est, entre guillemets. Bah, je pense que ça lui a fait du bien et que ça lui a fait comprendre, entre guillemets, qui il est. Et du coup, bah, moi, je suis très content pour eux. Je les trouve trop chou. Voilà, si vous voyez cette vidéo, vous êtes trop mignon. Moi, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si elle vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est toujours pas fait et activez la cloche des notifications pour recevoir une notif dès que je sors une vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très très bientôt. Bye.